Hey yo la team, c'est Ryu, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Une petite vidéo très rapide et très tardive. J'ai vu donc la vidéo de Davidine qui vient de sortir sur YouTube concernant le Storm Shield. Donc merci à lui, merci pour l'information. Et je peux enfin donner l'information à mes abonnés qui me disent souvent, oui, on veut une nouvelle épée, on veut une nouvelle épée, etc. Franchement, cool. Vraiment très 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 cool que ça sorte enfin une épée. Alors, est-ce qu'ils vont nous faire des épées comme beaucoup d'autres épées, où là on a quand même de gros problèmes en termes de points de talent, ou est-ce qu'ils vont nous sortir une bonne épée? Comme vous voyez, c'est encore sur le thème du médiéval, on le remarque par rapport à la poignée, au petit bleu qu'on voit sur souvent toutes les armes médiévales qu'on a eues, comme la scie aiguë et tout ça. Du coup, voilà, à la 7.20, donc à la sortie du patch, on aura aussi une nouvelle épée. On aura les deux héros, donc du coup, roi de la nuit et reine de la. Reine de la, roi de la, roi des glaces et reine de la glace. Reine des glaces, et on va avoir un petit mythique, voilà, un nouveau un mythique. Donc est-ce que ça va être un, comment dire, un reskin, ou est-ce que ça va être vraiment une opportunité d'avoir un mélange entre une petite Sarahotep, parce qu'on voit le dash du dragon, etc. Est-ce que ça va être un mélange, voilà, mid-range, ça peut être vraiment quelque chose de bien. Franchement, à voir. Peut-être c'est le retour des ninjas en avant, et surtout l'épée. Voilà, une épée qui va se baser sur le crit, ou alors sur la grande vi sur la vitesse d'attaque. Si on a la possibilité de faire une épée en énergie, avec trois vitesses d'attaque par exemple, comme une Masamune, avec, je sais pas, des gars qui immobilisent, avec des gars immobilisation, on peut vraiment, je pense qu'on va vraiment pouvoir faire un bon build. J'espère qu'ils vont nous donner la possibilité de faire un très bon build. Voilà, et du coup avec la petite ninja qui va bien, donc j'espère aussi que ça va être un bon ninja qui va pas avoir des trucs à moyen sur ce mythique, parce que j'aimerais vraiment qu'on ait de nouveaux mythiques. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, j'espère que la petite info vous aura plu. Encore une fois, vous pouvez aller remercier Davidine qui m'a donné l'info sur sa chaîne, donc je mettrai le lien en description. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, et on se dit à très bientôt sur ce, ciao ciao l'équipe.